Et maintenant, pour nous parler de ce très beau film et pour que vous puissiez poser vos questions autour de ce long métrage, je vais demander au réalisateur de me rejoindre. We are now going to you are now going to attend the Q&A session with the director, and I am right now calling the director with me on stage. Diego Ungaro. Merci. Rebonjour. Rebonjour. Merci d'être resté. Je vais. Alors, je rappelle très brièvement donc les règles, comme d'habitude. Je vais vous demander, quand vous voulez poser une question. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, essayez de vous rapprocher au maximum des 3, 4, 5 premiers rangs, parce que plus loin, je ne verrai rien. Et lorsque vous aurez une question à poser, levez la main ou levez-vous carrément pour que je puisse bien vous visualiser. Et on vous donnera le micro, vous garderez votre masque, on vous donnera le micro et vous pourrez poser votre question. Je vais poser la première question, en fait, de cette session. Diego, cette histoire est assez inhabituelle, l'histoire d'un rappeur. On peut imaginer plein de rappeurs qu'on connaît d'ailleurs, mais d'ailleurs peut-être que vous allez aussi nous parler de comment vous avez trouvé ce formidable comédien. D'où est-ce que cette histoire d'un rappeur qui va dans la campagne et qui finalement aime bien la vie qu'il a là-bas, c'est venu d'où cette idée-là? Quelle est la genèse de cette histoire? I was asking the director, where does this very unusual idea, the story of a rapper, a successful rapper who goes into the, you know, in reclusion to the forest, and suddenly realizes that he actually likes very much life with animals, you know, simple life. Where does it come from? En fait, l'idée, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Je me souviens avoir lu une interview dans Le Monde d'un rappeur français qui s'appelle Orelsan San, et qui était tout jeune à l'époque et qui s'apprêtait à sortir un deuxième album. Et dans cette interview, il parlait très ouvertement de la difficulté qu'il avait eue à écrire cet album, de la pression qu'il avait sentie. Il était tout jeune, il savait plus de quoi il devait parler dans sa musique. Il manquait l'expérience de la vie et il avait des tentations suicidaires. Et il en parlait de façon très très vulnérable dans cette interview. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment intéressant, parce que c'est pas le côté des rappeurs qu'on a l'habitude de voir. Cette vulnérabilité, en général, il montre plutôt le côté fort, hein, le côté tough guy. Et donc, quelques années plus tard, j'ai fait mon premier long métrage que j'ai tourné dans la même région, et dont le personnage principal était Bob, en fait, qui joue le fermier dans le camp de bois. Et après avoir terminé ce film, j'avais envie de faire un autre film dans la même communauté, dans cette région dans laquelle je vis et que je connais bien. Et cette idée du rappeur qui doute en début ou milieu de carrière est revenue, et donc voilà, j'ai décidé de le transposer dans cette région. Et voilà. Et puis après, on a développé l'idée avec mon co-scénariste Chabi. Et on a écrit le film ensemble. Voilà, un procédé un petit peu à part, parce que le film n'est pas dialogué, puisqu'on tourne avec des gens qui sont non professionnels. Il y avait un mélange d'acteurs non professionnels et professionnels dans le film. Donc pour moi, c'était important qu'ils aient leur mot à eux et qu'ils soient le plus spontané possible. Donc on a travaillé sur un traitement, en fait, qui est une succession de scènes d'une trentaine de pages qui n'est pas dialoguée, en fait. Et voilà, et on a travaillé avec eux sur les scènes, mais qui étaient quand même assez précis dans la construction. Voilà, c'est comme ça que le projet est né, en fait. D'accord. Y a-t-il une première question dans la salle? Alors, monsieur ici, ensuite on ira là-bas. Merci beaucoup pour ce film. Félicitations surtout sur le travail des couleurs que j'ai trouvé magnifique. Merci. Je voulais savoir si du coup le choix de la saison de l'automne, ça avait quelque chose qui va au-delà même du travail des couleurs, vous qui vivez là-bas dans le cycle, si vous y avez trouvé autre chose et si vous pouvez nous parler de ça. Oui, l'automne, c'était une évidence pour moi
Déjà, c'est la belle saison dans ce coin-là. C'est quand il y a un été indien, il y a ces couleurs qui sont magnifiques et qui mettent vraiment en valeur la région. Et ça aide à comprendre aussi pourquoi le personnage peut un peu tomber amoureux de ce coin et avoir une révélation. J'avais tourné mon premier film donc dans ce même coin, en plein hiver, dans 1m50 de neige. Donc il n'était pas question qu'on retourne en hiver. C'était l'enfer. Et puis oui, il y a une idée de fin de cycle aussi qui s'achève et donc qui fait écho à ce que traverse le personnage, évidemment. Ouais. Voilà, donc la deuxième question, c'était un peu plus haut, monsieur, si vous... Voilà, ici. Le monsieur qui est juste là, vous voyez, oui, très bien, ok. Bonjour, du coup, félicitations pour le film. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à collaborer avec Freddie Gibbs? C'était son premier rôle, je crois, et voilà, pourquoi lui, pas un autre? Oui. Voilà. En fait, c'est un film qui a vu longtemps à mettre le jour. On a évidemment le choix de ce comédien principal était capital pour déterminer le film et trouver des sous et tout ça. Et j'ai essayé d'approcher plusieurs rappeurs professionnels avant et je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué si on voulait quelqu'un de renommé, qui soit un vrai rappeur professionnel et qui ait du succès. Les tournées sont très prenantes, les enregistrements aussi, et c'est très compliqué pour des gens dont c'est pas, la carrière n'est pas acteur de les bloquer pendant 5 semaines ou 6 semaines pour le tournage d'un long métrage comme ça. Donc je me suis heurté à ça et on n'arrivait pas à trouver. Est arrivée la crise du Covid. Et tout le monde était confiné chez soi. Et en fait, j'avais repéré Freddie Gibbs quelques mois auparavant, un peu par hasard. Je faisais des recherches sur des rappeurs. Je revoyais s'il y avait des rappeurs américains que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas vu. Et je suis tombé sur un clip un peu par hasard où il joue la comédie au milieu de ce clip pendant quelques minutes et où il m'a complètement bluffé. Une espèce d'énorme charisme, une capacité d'improvisation impressionnante et un énorme sens de l'humour aussi. Et il m'a complètement impressionné. Et j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos de lui, d'interviews, et j'ai vu qu'il avait un énorme potentiel, malgré le fait qu'il n'ait jamais fait de film avant. Et donc oui, quelques semaines, quelques mois plus tard, on est confiné avec la crise du Covid et je me suis dit, là, c'est le moment de contacter Freddie Gibbs parce qu'il est comme tout le monde, il est coincé chez lui avec ses enfants et sa tournée est annulée jusqu'à nouvel ordre. Donc je me suis dit, si quelqu'un va regarder un projet comme ça avec un œil différent, c'est maintenant. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai trouvé le contact de son manager et on l'a contacté et quelques semaines après on était en contact avec lui, on était en un coup de téléphone avec lui et il a tout de suite répondu présent en fait, il s'est retrouvé dans le personnage et dans les doutes, dans cette pression et ce poids sur les épaules quand on est dans le milieu du rap et aussi il avait très très envie d'être acteur et de jouer la comédie, donc il y avait ces deux facteurs qui fait qu'il est tout de suite rentré sur le projet. À vrai dire, je voudrais aussi rebondir sur cette question parce que donc c'était son premier rôle et il joue vraiment très bien. C'est rare quand même également pour quelqu'un dont c'est pas le métier, même si comme vous venez de le dire, il avait ça déjà, il pouvait faire des petits trucs de comédie, il avait un sens de l'humour, mais il joue vraiment très bien, même surtout dans des scènes où il a pas à être drôle quoi en fait. Il y a des scènes assez amusantes, mais pas que. Est-ce que vous pensez, évidemment, c'est difficile de répondre à sa place, mais est-ce que vous pensez qu'il va continuer dans cette direction-là? Ah, absolument. Il a très envie de continuer à être acteur. Et il a un talent indéniable que je pense que beaucoup de gens vont voir et il va continuer. Je pense que ça va être je pense qu'il va avoir beaucoup de succès et que c'est le début d'une grande carrière pour lui. Donc oui, je sais qu'il en a envie et je suis persuadé qu'il va y arriver. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Auquel cas, il faut lever la main. Ah, alors attendez. Allez-y. Monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir justement, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait à la fois des acteurs non professionnels et professionnels, comment ça s'est passé justement, à la fois même peut-être avec la population et
et ce rappeur, c'est un, deux mondes complètement opposés qui se retrouvent. Comment ça, au quotidien, ça s'est passé? Bah, oui, c'était, c'est vrai que l'idée de base peut paraître un peu saugrenue, même un peu... pas idiote, mais bon, on pense à Camini ou Marly Gaumont, enfin des trucs très potaches, en fait. Moi, je voulais le traiter de façon plus, un petit peu plus sérieuse, mais tout, en ayant toutefois quand même de la comédie, parce qu'il y a évidemment une situation de départ qui va donner des situations drôles, et avec une approche documentaire. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir des gens qui sont eux-mêmes à l'écran, et puis d'amener des comédiens professionnels là-dedans, et puis d'essayer de doser un petit peu tout ça. Donc, très important de faire que les comédiens non professionnels se sentent en confiance. Donc, c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé sur mon premier long métrage, pour beaucoup. Donc, ils avaient déjà cette habitude des caméras et de travailler avec moi comme ça pour sur des scènes. Ça a été vraiment un travail vraiment du sur-mesure avec chaque comédien, ou qu'il soit professionnel ou non professionnel, avec une approche différente suivant les types de personnes, en fait. Quelqu'un comme Bob prend les directions d'acteurs de façon très très différente de Freddy, qui a besoin de très très peu de choses, par exemple, parce qu'il est, il est presque lui-même, il a un instinct redoutable, et donc il faut vraiment savoir à qui on s'adresse, et suivant les acteurs, vraiment travailler différemment. Et aussi, voilà, tourner en mode documentaire, c'est-à-dire laisser avoir des caméras beaucoup épaules, laisser tourner, et être très mobile, parce qu'il n'y a pas de position... pour les comédiens, on ne sait pas trop où ils peuvent aller. Il y a quand même une structure de scène qui est assez précise, mais tout peut arriver dans la scène. Donc c'est très important d'avoir cette flexibilité pour avoir cette spontanéité à l'écran. Et donc, on a fait passer Freddy, je l'ai fait venir quelques jours plus tôt, je lui ai fait passer beaucoup de temps à la ferme avec Bob, pour qu'il se sente à l'aise, confortable, et qu'il y ait déjà cette amitié naissante entre les deux. Voilà, donc c'est beaucoup d'humains, et j'espère que ça se voit à l'image aussi, ce côté humain. Alors, j'ai une question par rapport au film. Alors, c'est une question peut-être très, très précise et pratique, mais dans le film, il y a donc cette séquence du concert. Et si je ne me trompe pas, vous l'avez tourné en pleine pandémie, en plein confinement. Oui. Et j'imagine qu'en plein confinement, tourner une scène de concert, ça a dû être extraordinairement aisé. Ouais. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ça. Oui, c'était... Donc on a tourné en octobre-novembre 2020, donc en plein milieu de la pandémie. Les chiffres aux États-Unis étaient très mauvais à ce moment-là, donc c'était difficile. Il y avait beaucoup de pression. Heureusement, on était en petite équipe et dans la forêt, donc c'était plus facile de gérer cette bulle. Mais oui, le concert, effectivement, tout le monde était masqué et on avait 20 figurants, ce qui n'est pas beaucoup, si on veut donner l'impression qu'on a une star du rap en face de soi. Donc on a vraiment travaillé en amont avec le chef opérateur pour... Déjà, on avait une très belle salle de concert dans laquelle on a tourné, mais avec vraiment une poignée de jambes. On a à l'avance trouvé des images stock footage, donc je ne sais plus comment on dit en français, mais... Moi non plus. Ah, bon, des images d'archives de concert avec de la foule, qu'on a vérifié que la lumière allait être la même que la lumière qu'on va utiliser nous pour le concert, et que ça matche à peu près la salle dans laquelle on allait tourner. Et après, nos 20 figurants... On a vraiment placé la caméra très très près d'eux, en les faisant beaucoup bouger, en jouant un peu les contre-plongées. Et voilà, l'idée c'était de vendre le concert sur les 15-20 premières secondes, et après on se rapproche du personnage, et on est seul. Et un travail sur le son aussi, j'imagine, pour... Oui, bien sûr, évidemment, le son, travailler la foule, je pense que ça se vend presque encore plus à l'auditif, et pour qu'on y croit, il faut qu'il y ait une impression de foule, donc il y a eu un gros travail au son. À ce niveau-là aussi, et j'espère que... Voilà. Oh bah. Y a-t-il une autre question dans la salle? Si oui, alors, madame ici.
Ah, je suis désolé si je dis des bêtises parfois, mais en fait, je vois vraiment rien. Donc oui, c'est madame. Oui, d'accord. Bonjour, bravo pour le film. Merci. J'avais une question sur la signification de la moufette. Parce que comme le film se termine là-dessus, j'imagine qu'il y a une symbolique assez forte liée à la moufette. Oui, on peut le voir de plusieurs manières. Bon, il y a forcément l'animal qui est une nuisance, enfin l'animal est dont il, qui est un peu la métaphore de lui, qui est dans une cage et qui se libère à la fin. On peut le voir comme ça. Et aussi, ça peut être cette espèce de nuisance sous la maison, comme cette espèce de dépression qu'il a en lui-même et qu'il arrive à évacuer en fin de film. Donc je sais pas, il y a plusieurs. J'espère que c'est pas trop évident. Donc on peut le lire à plusieurs niveaux, mais oui, c'était ça. Et c'est vraiment un truc qui arrive, la moufette régulièrement aux États-Unis, où vous vous retrouvez coincé avec un sconce sous la maison, et c'est assez problématique parce que ça sent très très fort. Et le coup du spray, c'est vraiment dangereux. C'est-à-dire que si vous vous faites arroser par un skunk, c'est pas de la blague, quoi. Il faut partir aux urgences tout de suite. C'est très très nuisible pour les yeux, et ça colle à la peau après, vraiment pendant très longtemps. Donc voilà, c'est pas. Oui, le nom est mignon, mais une attaque de moufette, c'est pas dangereux. Non. Y a-t-il une autre question dans la salle ? Alors, madame ici. Oh, je ne sais pas combien tiens bon. Voilà. Oui, je voulais souligner aussi que la jeune femme joue très bien, avec beaucoup de pudeur et de finesse. Et je voulais savoir le titre du film. Le film, c'est Down with the King. Le sens. Ah, pardon. Le sens, c'est. Il y a... J'aime bien le côté, il y a le côté la down to be down with en anglais, c'est être d'accord avec quelqu'un, donc être d'accord avec le roi, le king, qui représente un peu le roi dans son domaine, et down with the king, il y a aussi la chute du roi. Donc il y avait ces deux sens qui m'intéressaient, et puis c'est aussi le titre d'un morceau de rap de Run DMC qui est connu, et qui, voilà, c'est un petit clin d'œil à ça aussi. À vrai dire, j'aurais également posé une question par rapport à ce thème du rap. Vous avez dit qu'au tout départ, vous aviez éventuellement envisagé de demander à des rappeurs connus, mais que, bon, évidemment, comme ils sont connus, voilà, ils n'ont pas le temps. Ouais. Mais est-ce que, depuis que le film est terminé, je sais qu'il a déjà été montré ici et là, est-ce que vous savez s'il y a des rappeurs qui ont vu le film ? Est-ce que vous avez eu des retours de rappeurs professionnels, voire connus ? Non, pas encore. Le seul retour que j'ai eu, c'est Freddy Gibbs, qui a découvert le film à Cannes quand on l'a présenté au mois de juillet avec nous. Non, pas encore. Le film n'est pas encore passé aux États-Unis. Donc oui, effectivement, je serais curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Voilà. Mais bah, écoutez, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Quelqu'un, je vais demander de lever la main. Oui, monsieur ici. Au 5e rang. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur les animaux dans le film. On sait que généralement, ça peut être un calvaire à gérer. Le truc, c'est que là, vu que vous jouez avec des comédiens dont c'est peut-être leurs animaux, je sais pas, est-ce que vous aviez une équipe en plus pour gérer les animaux, ou est-ce qu'ils ont pu gérer ça du coup tout seul? Et il y a un plan juste en plus qui est très furtif avec un écureuil, je crois. Et du coup, je me suis demandé, vu que c'est furtif, est-ce que lui, il est voulu, ou est-ce que vous avez eu de la chance quand il a tourné là? Non, l'écureuil, c'est le chipmunk. Qui est donc le petit écureuil, les tic-tac qu'on a aux États-Unis, qui sont tout petits et très mignons. Lui, il est arrivé dans la scène complètement par hasard, personne ne l'avait appelé. Je trouvais ça plutôt amusant. Il est en 3D en fait. C'est ouais, c'est des moindres. Ouais, on a 3D. Un gros budget. Bah oui, c'est un gros ça. Budget effets spéciaux. Tout est passé maintenant. Voilà. Non, et les animaux, on est sur la ferme, donc il y avait le gendre de Bob et la famille de Bob qui connaît très bien les animaux et donc qui pouvait gérer tout ça. Et qui ont l'habitude. Et moi, je connais très bien la ferme aussi, donc on avait pas mal de monde, et puis il n'y a pas tant d'animaux que ça. Donc ça, c'était relativement simple à gérer.
Alors, de mon côté, j'ai une autre question, j'en profite, hein, parce qu'on a un petit peu de temps. C'est à propos de la musique. La musique, forcément, est centrale aussi dans le film. Qui a composé la musique? Est-ce que c'est Freddy qui l'a faite? Est-ce que ça a été édité en disque? Alors, c'est la musique est oui, complètement originale. Freddy, c'est lui qui a écrit tous ses morceaux, quand ce soit du freestyle ou des morceaux plus préparés. Il les écrivait... Il écrit très vite, il écrivait vraiment sur le vif. Pendant les scènes, on laissait tourner assez longtemps. Pour ce qui est des instrumentales, on a travaillé avec deux compositeurs. Un compositeur qui s'appelle L. Michel Zaffer, qui est un compositeur américain qui s'appelle Leon Michaels, qui est assez connu, qui a fait des remixes de Wu-Tang, des instrumentales de Wu-Tang Clan avec des cuivres. Donc c'est toutes les instrumentales un peu soul qu'on entend, c'est lui qui les a faites. Et on a avec un autre compositeur qui s'appelle Ness, avec qui travaille régulièrement Freddie Gibbs. Je ne sais pas encore s'il y aura une bande originale, j'espère, c'est très possible, mais ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Ouais. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors là, oh là là, tout à coup, il y a trois mains qui se lèvent. Monsieur, madame, pardon, je ne vois rien. Madame. Bonjour, merci pour le film. J'avais une question par rapport à l'image qui est derrière vous, la photo. C'est-à-dire qu'on voit des cochons bien blancs, bien propres, et j'ai l'impression qu'on leur a coupé la queue. Alors je voulais savoir si c'était une race comme ça. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, je sais qu'il y a partout, il y a des endroits où on scie les cornes des vaches. Et là, je me suis dit, les cochons, est-ce qu'on leur a coupé la queue ou pas? Non, ça, c'est des effets spéciaux. On les a tous enlevés. Non, je plaisante, évidemment. Je ne sais aucune idée. Ces cochons ont toujours été comme ça. Je ne sais pas si c'est... Ça m'étonnerait qu'ils leur coupent la queue. Je connais un peu le processus de Bob. Je sais qu'il est... Non, je pense pas. À mon avis, c'est la race qui est comme ça, mais je vous avoue que je n'en suis pas forcément sûr. Mais couper la queue, je pense pas. Alors, y a-t-il une autre question? Je crois qu'il y a une autre question par là. Oui, monsieur, là-bas. Pardon, il faudra faire passer le micro. Juste là. Tout d'abord, bravo pour le film. Et j'avais une question par rapport à la musique dont vous avez déjà parlé. Parce que c'est vrai qu'en voyant le résumé, même au début du film, c'est une pression pour le personnage. Et par rapport au résumé, on s'attendait plus à ce que ce soit un peu comme d'habitude la célébrité, la popularité ou même les télés et tout ça. C'est vrai que la musique est aussi une vraie pression, alors que habituellement c'est plus présenté comme une libération, comme un art. Donc je voulais voir si c'était voulu et votre rapport par rapport à la musique dans le film. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que souvent quand on voit des films qui parlent du milieu du rap, c'est souvent des ascensions vers le succès ou des success stories, et là on déconstruit un peu plus le truc, on part de quelqu'un qui est déjà au sommet de son art et qui va vers le bas en fait. De ce point de vue là je trouvais ça intéressant, c'est que c'est une histoire qu'on n'est pas trop l'habitude de voir, évidemment transposée dans le milieu de la ferme. Voilà, il y avait un côté aussi assez original. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Non, évidemment, la musique était un facteur capital, et c'était pour ça que c'était très important d'avoir un vrai rappeur qui joue un peu son propre rôle dans le film, pour avoir cette authenticité, ce côté véridique, et d'avoir vraiment le vrai artiste en face de nous, et pas un comédien qui fait le rappeur. Voilà, et puis on est aussi, pendant tout le film, on joue un peu avec les clichés du rap et on les prend à contre-pied, et donc voilà, ça va avec ce qu'on disait sur un peu déjouer les clichés et sortir un peu des sentiers battus. Y a-t-il encore une question? Alors je vois une dame qui s'est directement levée, donc je pense que madame ici au quatrième rang a une question. Bonjour. En fait, ce qui m'intrigue, c'est les cochons d'une part, et vous l'avez montré en train de faire la prière comme s'il était musulman.
Donc, est-ce que c'est un contresens, un point de vue, un parti pris, enfin, quelle est la signification? Les cochons, en fait, assez tôt dans le film, il dit moi je dis non au jambon, il dit no pork on my fork, donc on comprend qu'il est, enfin, au début il le dit qu'il est, il mange pas de jambon parce qu'il est musulman, et c'est quelque chose que Freddy Gibbs est musulman depuis une dizaine d'années, donc c'est quelque chose qu'il est dans la vraie vie et que je trouvais intéressant d'intégrer à l'histoire, comme une petite touche qui rajoute au personnage. Donc en fait, lui, son point de vue, parce qu'on en a discuté, je lui ai dit comment tu te sens par rapport aux cochons, il me dit les cochons, il n'y a pas de problème, tant que j'en mange pas, ça va, mais je peux les toucher, je peux les manipuler, il n'y a aucun problème, et voilà. Lui, il ne se revendique pas comme un musulman parfait, c'est-à-dire qu'il boit beaucoup, il fume, mais voilà, c'est quelque chose quand même d'important pour lui, voilà, que je trouvais intéressant d'avoir présent dans le film. Mais plus comme un élément narratif que pour dire quelque chose sur la religion. Ah oui, non, il n'y a pas de. Oui, c'était vraiment pour enrichir le personnage, puisqu'il n'y a pas de. Oui. Y a pas d'histoire centrée autour de ça. Ouais. Une autre question, il me semble. Oui, voilà, ici, monsieur. Et ce sera la dernière question. Bonjour, merci beaucoup pour le film. Je crois que je peux dire que c'est mon préféré de la sélection. Merci. J'avais une question sur le sous-titrage, notamment le sous-titrage des chansons. Vous ne les avez pas toutes sous-titrées, pourquoi? Pas de question. Vous n'êtes pas la première à poser cette question, et c'était un choix que j'ai fait, et que effectivement, en revoyant le film, je me dis que c'est pas forcément judicieux et que ça a été un peu arbitraire. En général, j'aime pas voir les chansons sous-titrées dans les films, parce que souvent ça peut paraître un peu débile. Mais là, ça fait vraiment partie du personnage et de son. Il lutte avec ça, il a du mal. Et donc, oui, je comprends que ça puisse être frustrant de ne pas avoir tous les sous-titrages. Donc, c'est quelque chose. Je pense pour une sortie française qu'on va essayer de revoir. Vous pouvez de nouveau applaudir le réalisateur de ce Q&A qui est maintenant terminé, Diego Ongaro.